Je suis en focus Oui. Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 22 janvier 2023. L'actualité brûlante du moment, c'est évidemment l'opposition massive à la contre-réforme, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, euh, du système des retraites. Alors, juste petit aparté, je vais essayer de faire cette vidéo le plus court possible parce qu'il fait beau, alors que la météo avait annoncé qu'il allait faire gris. Et je suis photographe amateur. Et donc, c'est une journée formidable, une belle journée d'hiver pour faire de la photo. Donc, je vais essayer de faire le, le plus court possible, le plus schématique possible. Si vous avez des questions, rendez-vous dans les commentaires pour que je précise plus avant ma pensée. Je vais quand même essayer d'être le... clair, en tout cas. Ça commence mal. Donc, première chose, j'apporte évidemment, depuis euh, mon pays d'accueil, ici le Japon, tout mon soutien aux manifestants en France qui s'oppose à, à la réforme, à la contre-réforme euh, du système des retraites. C'est une première victoire parce que sous le quinquennat précédent, le pouvoir, Macron, Castaner, l'Allemand, avait utilisé la violence et l'instrumentalisation de la justice pour faire peur, pour blesser, pour violenter les manifestants et pour résigner les Français, les pousser à rentrer chez eux. Et euh, à abandonner la lutte sociale. Malgré tout, les Gilets jaunes ont beaucoup résisté et c'est un feu qui couve, à mon avis. Et donc, les manifestations massive de ce week-end ou de cette fin de semaine je sais plus montre que la résignation n'a pas gagné l'esprit des français en tout cas dans une certaine mesure parce que malgré tout dans les sondages d'opinion les français sont majoritairement opposés à cette contre réforme et pourtant ils, pen ils pensent pardon qu'elle va tout de même passer c'est dire le fossé gigantesque le canyon même qui a entre les soi-disant représentés et les soi-disant représentants mais réjouissons nous c'est déjà quand même une première victoire alors sur cette chaîne, j'essaye de donner une perspective, d'accord, de proposer un autre modèle de société avec d'autres valeurs, enfin pas nécessairement d'autres valeurs, des valeurs supplémentaires aux valeurs françaises, liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme, etc. Mais en les poussant plus loin, même si on peut les critiquer, il faut de mon point de vue les améliorer et pas les jeter à la poubelle. Et donc la société idéale que je propose se base sur ces valeurs, mais les pousse et va beaucoup plus loin. Et notamment, un changement de paradigme entre la société actuelle et la société idéale, c'est la valeur de la vie. Je m'explique. Aujourd'hui, on dit bien que pour gagner sa vie, il faut travailler. On parle bien de gagner sa vie. C'est-à-dire que quand on est, ça ne suffit pas à mériter de vivre, il faut aussi continuer à gagner sa vie, continuer de mériter sa vie. Or, un changement de paradigme important pour passer de cette société-là à une société meilleure, une société mieux organisée sur de meilleures valeurs, c'est de reconnaître que la vie a une valeur en soi. À partir du moment où on est, on mérite de vivre. Et donc la société doit s'organiser pour que l'on puisse survivre, vivre et se développer. Ainsi donc, sur le sujet du système des retraites, même si j'apprécie la beauté du système intergénérationnel, d'accord, de solidarité entre les, entre les générations. C'est une belle philosophie, c'est une belle idée, mais c'est quelque chose d'aléatoire, parce que d'une génération à une autre, il n'y a pas nécessairement le même nombre de personnes. C'est fluctuant, ainsi que les conditions euh, matérielles, guerre, pénurie, pandémie, inflation, etc., peuvent comme ça faire osciller l'économie et donc faire osciller le niveau des pensions d'une génération à une autre. Donc l'idée philosophique est belle, mais de mon point de vue, elle me semble instable, fluctuante. Et dans une société mature, idéale, qui reconnaît la vie en tant que valeur intrinsèque et suffisante, il faut alors un système de retraite qui prend en compte cette dimension de valeur suffisante de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que personne ne doit manquer pour pouvoir vivre dignement, et en particulier quand l'âge arrive. Comment ça se traduit dans la pratique Communément, puisque le, la société idéale est une société démocratique dans laquelle tous sommes responsables du choix collectif, c'est un choix que nous faisons collectivement de comment on organise notre société. Et donc là, sur le principe des retraites, c'est tous collectivement qui devons réfléchir à quel est l'âge de la retraite. Moi, je propose que pour les travaux physiquement difficile, c'est-à-dire où il y a beaucoup de bruit, où il faut soulever des charges, etc., qui mettent à rude épreuve le corps, je propose que ça soit 50 ans. Des travaux, des emplois qui mettent à rude épreuve la psychologie, c'est-à-dire qui sont stressants, dans lesquels il y a beaucoup de contacts avec euh, la clientèle ou euh, euh, d'échanges humains et parfois difficiles, je propose que ça soit à 55 ans. Et pour les travaux, les métiers qui ne sont pas usants physiquement ou psychologiquement, je propose que ça que ça soit, pardon, à 60 ans. Mais ça, c'est un débat que l'on doit avoir collectivement. Donc, à 50 ans pour les uns, à 55 ans pour les autres, et à 60 ans pour les derniers, ce n'est pas un système de solidarité intergénérationnelle qui me semble plus efficace, mais l'allocation, sans condition, en dehors de l'âge, pure et simple, d'un montant suffisant pour vivre dignement. Ça aussi, le montant, c'est collectivement qu'il faut le dessiner. Et donc, c'est par création monétaire ex nihilo que les pensions de retraite sont créées et assurées de façon garantie, stable, pérenne dans le temps. Et donc, elles ne sont pas assujetties aux aléas euh, de l'économie, euh, des conditions matérielles ou du, de la fluctuation de la natalité d'une génération sur l'autre. Et je pense que pour certains, il y a la question du mérite. C'est-à-dire que si, à partir du moment où on arrive à 50 ans, 55 ans ou 60 ans, automatiquement, on a une pension, suffisante pour vivre dignement qui nous est versée, où est la place du mérite Parce qu'actuellement, il faut bien avoir cotisé, je ne sais plus, je crois que c'est 42 ans, donc il faut bien avoir produit, il faut bien avoir montré à la société qu'on a été utile à, à celle-ci, qu'on a servi, qu'on a produit, et donc on mérite une euh, pension. Donc ça c'est la question du mérite. Mais justement, encore une fois, un changement de paradigme important entre la société actuelle et la société idéale, de mon point de vue en tout cas, c'est que tous méritons de vivre à partir du moment où on est vivant. On n'a pas besoin de justifier sa vie. Et en réalité, les études, notamment sur le revenu de base, montrent que les gens veulent participer à la société, veulent faire quelque chose. Et que si demain un revenu de base leur était versé, ils ne s'arrêteraient pas pour autant de travailler. Certes, ils prendraient des vacances, certes, ils auraient une réflexion sur l'emploi qu'ils occupent actuellement, parce qu'on est obligé de prendre quelque chose, donc souvent on prend quelque chose même si on n'aime pas, même si on ne se réalise pas dedans, mais donc si on versait aux gens un revenu de base, ils choisiraient véritablement l'activité professionnelle qu'ils exerceraient, et donc leur contribution à la société. Et ça, je trouve que c'est méritant et bien organisé. Méritant parce que ils veulent, nous voulons en réalité, participer à la société, mais... Si nous avions le choix, si nous avions la possibilité notamment grâce à un revenu de base, nous choisirions de quelle façon nous contribuons à la société et nous choisirions cette contribution sur notre intérêt, sur nos talents, sur quelque chose qui nous permet de nous réaliser en même temps que l'on répond à une nécessité pour la société. Donc le mérite, il est là, alors que actuellement, on dit mérite alors qu'en fait, on parle de nécessité pour les individus de produire. Il faut bien que quelqu'un euh, ramasse les poubelles, que quelqu'un fasse la plonge dans le restaurant, que quelqu'un fasse les métiers de première ligne, comme on disait dans la pandémie, parce que ça sert à mon intérêt, j'ai besoin que quelqu'un les fasse. Et donc si demain on donne le choix aux gens de faire telle ou telle activité et pas telle ou telle activité, alors qui est-ce qui va remplir les basses besoins que j'ai besoin que l'on remplisse Quand je dis je, ce sont les gens qui disent, soi-disant, il faut mériter de vivre, et donc en réalité, c'est pas mériter de, de vivre, mais en réalité, ils parlent de démérite à percevoir une pension de retraite descendent. De leur point de vue, si on n'a pas contribué par le labeur à la société, alors on ne mérite pas une pension de retraite décente. Mais il ne s'agit pas donc de mérite, mais il s'agit de démérite ici. Donc bref, je ne sais pas si j'ai été clair, mais je résume. Dans la société idéale, la vie est une valeur suffisante. Tout le monde mérite de vivre et n'a pas besoin de travailler pour gagner sa vie. Le simple fait de naître, on a déjà gagné notre vie. Point numéro 2, nous voulons tous en réalité participer à la société, à l'exception peut-être d'une petite minorité, mais cette petite minorité peut être malgré tout supportée par la société et ne pose pas de problème. 3, il me semble que c'est quand même une société qui respecte véritablement la liberté, une société qui permet de choisir sa contribution à la société par son intérêt, par son, int euh, par son talent et par quelque chose qui nous permet de nous réaliser. Une seconde. Euh, quatrièmement, si il y a des emplois qui ne sont pas pourvus parce qu'ils sont pénibles et parce qu'ils ne sont pas valorisants, très simple, il faut doubler, tripler le salaire. Si personne veut le faire, c'est qu'il y a bien un intérêt à payer les gens pour le faire, parce que s'ils sont pas reconnus et mal payés, évidemment que personne va y aller. Et pourtant, ils sont nécessaires à la société, donc il faut les payer ou faire un tour de rôle pour que tous contribuons aux tâches que personne ne veut faire. Ou alors, dans l'idéal, il faut les automatiser. Mais il ne faut pas rester dans la situation actuelle qui, moi je ne veux pas le faire, mais il faut bien que quelqu'un le fasse, et donc il faut entretenir une société dans laquelle les gens n'ont pas le choix de leur activité. Ça, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas une société bien organisée, une société idéale. Et dernier point, puisque donc la vie est une valeur intrinsèque, une valeur en soi, ce qui est un énorme changement de paradigme par rapport à la situation actuelle, alors tous méritent d'avoir une retraite digne, une retraite suffisante, une pension de retraite suffisante pour vivre dignement. Surtout que c'est dans la Constitution, la société doit garantir la possibilité d'une vie digne. Actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Donc dans la société idéale, puisque la vie est une valeur en soi suffisante, alors une condition seulement pour percevoir une pension de retraite, c'est la condition de l'âge. 50 ans pour les métiers les plus difficiles, 55 ans pour les métiers les plus difficiles psychologiquement, les premiers c'était physiquement, et 60 ans pour les autres. En tout cas, c'est une proposition que je fais. Et donc, le financement de cette pension, du système de retraite, ne se fait pas par solidarité entre les générations, ce qui est malgré tout une belle idée, mais par le pouvoir de battre monnaie démocratisé, c'est-à-dire que ce pouvoir nous appartient à tous, et que c'est collectivement que nous décidons du budget pour tel et tel et tel besoin de la société. Que ce soit l'éducation, la santé, la défense, les infrastructures, et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, les retraites. Tout le monde mérite de vivre des vieux jours heureux. Voilà, désolé, ça a été un peu confus parce que je ne l'ai pas vraiment préparé et que je suis en train de me dépêcher parce que déjà le soleil s'en va. Mais comme d'habitude, si vous avez des commentaires, exprimez-vous dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France et vive la retraite heureuse pour tous.